Hello tout le monde, alors aujourd'hui toute nouvelle vidéo, ça va être la lance de Raiden Shogun, donc de l'univers Genshin Impact. Je vais vous montrer comment je l'ai réalisé, etc. En ce qui concerne les patrons, je les ai directement trouvés sur Etsy en tapant le nom de la lance, voilà. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire et je vous dis à bientôt. Tchuss. Pour cette lance, j'ai directement commencé par le haut. Alors j'ai découpé mon patron et ensuite j'ai pris de la mousse 10 mm et j'ai découpé deux fois la partie principale. Donc vous allez voir tout ça en vidéo. Ensuite, entre les deux parties, j'ai fait une petite découpe pour pouvoir y rajouter du fil de fer pour que, vous savez, si la mousse elle est pas très épaisse, elle peut avoir tendance à se tordre et à se plier. Et du coup, ce fil va pouvoir me permettre de garder la lance bien droite.
je jugeais nécessaire sur mon patron pour ajouter tous les petits détails qui feront que la lance ressemble vraiment à celle du jeu vidéo.
Après, donc au niveau du manche, du haut de la lance, vous pourrez voir, j'ai rajouté bah, pareil de la forme clé parce que quand vous regardez la lance, en fait, bah, ça ne fait pas le haut est direct relié au tube en PVC. Ça fait une espèce de partie en style de cône en fait qui relie tous les petits détails. Du coup, je me suis servi de la forme clé pour que ce soit plus simple en fait. Donc, c'est comme de la pâte à modeler pour pouvoir mettre les détails restants. Après, je ne voulais pas montrer en vidéo, mais pourquoi ben, la lance est blanche? Tout simplement parce que j'ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous-couches et de colle à bois pour pouvoir vraiment tout lisser. Parce que c'est vrai que la lance sur le jeu, elle a un aspect vraiment lisse. Et du coup, ben, je trouvais ça beaucoup plus joli, plutôt que de passer juste une couche de gesso comme je fais en général. Et ensuite, je suis passée pareil à la peinture. Donc ben, ça a pris pas mal de temps. J'ai pris mes images de référence et j'ai essayé de reproduire les couleurs au mieux. Là, le rendu final de la lance, donc porté par un de mes shootings en maillot.